Ok, voilà, bah déjà, déjà ça de gagner. On va écouter voir si elle Ok, répond. voilà. Voilà, ok, très bien. C'est bon, fonctionne. Il commence à gérer, hein, papa. Bonjour, bonjour à Lexia et bonjour à Sébastien, bien évidemment. Alors, ça c'est bon, ok. Il faut que je prépare mes conneries, hein. Bonjour à Shadow. Bonjour à Étoile d'A. Bonjour à Domi. Alors attends, il est là. Voilà, ici. Ok. Tac. Là, c'est bon, hein. Ouais, ça, il gère un peu. Un petit peu en avance, hein, comme d'habitude. Bien. Et un peu de... y aura-t-il un peu de monde ce soir? Alors je pense qu'il y aura... j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur le sur YouTube, puisque j'ai mis un... j'ai préparé un live YouTube en disant bien que c'était sur Twitch uniquement. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit GLG par en live du mercredi. Un sujet qui a été voté un petit peu à l'unanimité dimanche. Alors c'était pas facile hein, parce que malheureusement sur le site il y a quand même beaucoup de y a... on voit un peu trop de silicone. Il y a quelques morceaux. Alors on va voir comment on va gérer. On va y aller doucement pour je vous présenterai bien évidemment. Vous avez vu le sujet du live. C'est un fabricant me propose de tester une de leurs marques de dolls et de devenir revendeur et de carrément de vous en revendre et voilà quoi. Vous allez voir, ils sont des entrepôts partout. Et donc, ils ont un site web sur lequel il y a quasiment les prix revendeurs. Donc, en fait, je voulais ouvrir le PDF qui m'a envoyé avec les tarifs revendeurs. Et en fait, il n'y a même pas besoin, parce que sur leur site, il y en a. Mais le problème, c'est que sur leur site, voilà, il y en a beaucoup qui sont en mode manga, tu vois, en tenue sexy, ça va. Mais il y a quelques endroits où on voit des petits bouts de trucs. Donc là, je vais être obligé de censurer et tout. Et vous verrez, je suis en train de... j'ai préparé un peu mon truc. Normalement, ça devrait bien se passer. Là où on devrait le plus rigoler, c'est avec la Q&A ou le mode d'emploi qui vous explique comment l'entretien, la différence entre les deux et tout. Donc, je sais pas si, comme dans le texte, il est... je sais pas dire qu'il est cru dans le texte, mais il y a beaucoup, beaucoup de fois marqué SEX, SEXUE, DELE, et comment utiliser le VAGIN, et tout, voilà. Donc, il y a pas mal de mots comme ça. Donc, je me demande si le texte, on l'affichera et je demanderai à Shadow est-ce que le texte on peut quand même l'afficher et le lire sachant qu'il n'y a pas d'image, il y a juste du texte, ou vaut mieux carrément pas afficher le texte et que je vous le lis directement en off. Voilà, c'est la grande question. Alors attends, il y a le chat, il est là, voilà, parce que j'ai bien, j'ai deux chats. Oh oui, deux petites. Bon, voilà, compris. Bonjour à Sébastien Paulet, bonjour à Étoile Déa, bonjour à... content d'être enfin là, il est 11h en Martinique, tous mes voeux, la team et le marabout. Mais écoute, Ghost, bien le bonjour, ami de la Martinique. Avec Gouin de Riz, on fait sac de riz, c'est chez vous ou pas? Qu'on fait ça aussi, ou c'est en face, voilà. Bonjour à Rolls, première fois sur le chat d'un spectateur de Les Cercles des Amis de Thaïlande. Une dolls. Une dolls. Une dolls. Eh ouais, je sais, ouais, oui, on a des contacts. Eh ouais, mais il y en a qui ont des contacts, il y en a qui n'en ont pas. Moi j'ai des contacts. Voilà. Non, non, mais j'étais. Je suis contacté. Après, voilà, après, ils me contactent, ils me contactent. Et toi, des neiges. J'ai pas compris celle-là. 42J, bonjour. Nickel. Latex. Oh non, non, c'est du. On verra dans la FAQ. Dans la FAQ, non, ils ont un Q&A. Questions et réponses. Ils ont un truc et tout. Alors, c'est un matériau spécifique. Bonjour à Fred. Oui, en direct, bien sûr. En live. Non, je testerai pas la poupée. Malheureusement, pour l'instant, on est juste sur. Ils m'ont demandé laquelle que je voulais et tout. Et pour l'instant, c'est que la première étape. Et je vous expliquerai après ce qui s'est passé après. Bonjour à Fred. Censuré. Tant que c'est pas chaud. Ça... non, c'est juste des termes un peu. Voilà, on cite beaucoup. Ils citent beaucoup de fois. Vagin, clitoris, tout, mais c'est rigolo parce qu'il y a marqué qu'il y a la différence entre un fixe et un amovible et tout. La FAQ est dantesque. Complet. Dolgg spécial 69. Team 69, bien sûr. Team 69, bien évidemment. Lyon-Rhône-Alpes, Néo-Tonkin, voilà quoi. S'il y en a qui se demandent, attends, je vais mettre peut-être l'écran un peu plus sur comme ça. La bouche.
La bouche. Ah, tu verras, on va parler de tout. Je vous présenterai le site, on va parler de tout, on verra les modèles, on verra un de mes modèles préférés, on verra les tailles, on verra les couleurs et tout. Vous allez voir, on va passer un live incroyable parce qu'il y a des tailles, il y a des couleurs, ils ont des entrepôts partout sur la planète, il y aura les prix hors taxes et tout, vous allez voir. ça va être très intéressant. Ou pas. Alors, cette émission est pas enregistrée, elle sera pas rediffusée sur GLG Vidéo, puisque, je peux dire que ça me casse les couilles, mais bon, voilà, maintenant Twitch et Twitch, on fait des trucs sur Twitch. Normalement, pour le mois de février, je vous expliquerai qu'on fera un peu plus de format Twitch. Voilà, notamment des petites quotidiennes comme ça. On voulait faire des petites revues tech un peu simples, et c'est vrai qu'on n'avait rien le lundi. Et le jeudi, on fera les petites revues tech et tout, voilà. Mais ce sera uniquement des formats Twitch, et il y aura toujours les formats YouTube les mardis et vendredis, mais après tout le reste, ça sera Twitch. Les gens, voilà, ils n'ont qu'à cliquer, regarder, après, voilà. C'est relou de toujours faire la promotion, de pousser, tout comme ça, de faire en double. C'est pas très compliqué, voilà, pour se dire, venir sur Twitch, de s'inscrire, de me follower, et puis voilà, quoi. C'est moi, Guano. D'accord. Donc, c'est toi. J'en connais une. Sur Pattaya. Ouais, je crois que ouais, tout le monde la connaît. Comme le loup blanc. Ou la chatte des neiges, comme on l'appelle ici. Bonjour à Laurent. Bonjour. Il nous faudrait utiliser un langage codé. Oui, c'est pour ça qu'en fait, j'ai appelé ça Dolls et non pas Sex Dolls dans le titre et tout. Parce que voilà, c'est compliqué. Après, je dirais pas. Après, je crois que sur Twitch, c'est un avertissement. Mais bon, après, on serait cramé quasiment pour toute la semaine et je pourrais pas faire de live et tout. Donc, il faut vraiment y aller. Il faut y aller doucement. Tout le moment. Punaise, il y a des couleurs et des tailles différentes. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah ouais, non, mais vous savez pas tout. Ouais, mais vous avez affaire. Je vais pas dire que vous avez affaire à un spécialiste, mais j'ai regardé sur le site. Ah ouais, je sais pas, les couleurs, des tailles et tout. Ah ouais, c'est ça. Vous allez voir. Alors, c'est très, très drôle. La drôle passera-t-elle la douane thaïlandaise? Oh, un petit colis comme ça, en kit. Morceau par morceau, un coup une jambe, un coup un bras, le torse, la tête, et après je l'assemble moi-même. Non, vous allez voir, les photos sont très explicites. C'est vrai, il y a de la pub au début? Je crois pas, non. Si, il y a eu pré. Oui, c'est vrai que j'ai activé pré machin, mais je sais pas s'il y a eu ça. Salut, monsieur Doll. Bonjour à Alex. Étonnamment, ce mercredi, j'ai l'impression qu'il va y avoir plus de monde. Je sais pas pourquoi. Peut-être la routine qui se met en place, vous avez envie de venir me voir et tout. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après, voilà quoi. Tu feras gagner une Dolls. C'est pour un copain. C'est pour un ami. Un copain célibataire. Dans l'amour et dans le pré. Une enquête approfondie par GLG. Voilà. Une enquête sans concession. On ira au fond des choses. Voilà. Donc, alors, pour que on puisse déjà vous faire découvrir le site, il faut dans un premier temps que je vérifie bien si j'ai bien mis « voilà ». Ok, donc là, c'est bon. Ok, donc là, je vous laisse rire de ma blague. Voilà. Alors ça, c'est la Q&A. Ça, c'est bon. On va mettre sur l'accueil. Voilà. Là, normalement, on est pas mal. Voilà, là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Voilà. Voilà, donc là, en théorie, on est bien. Donc, il faut juste comme ça que je pourrais déplacer mon Peggy 18. Par exemple, hop là, on va le mettre ici, parce que c'est les premières... celles de gauche sont un peu trop. un peu trop bien, voilà. Et à la fin, pour ceux que ça intéresse, je vous donnerai le nom du site, si vous voulez aller voir, bien évidemment. Je retourne travailler. Bah écoute, bon courage Alex, hein. Tu reviendras le replay bien évidemment. Il faudra apprendre à coudre. Si on la reçoit saucissonnée, c'est sympa de savoir travailler de ses mains. Salut, je tombe sur mon premier live Twitch au bon moment. Mais je pense aussi que tu es arrivé au bon moment. Voilà. C'est ton âge 18? Oui, bien évidemment. Alors, je vous fais voir un peu les bannières qu'il y a sur le site. Alors, il y a la première, c'est Fierce is coming. Donc là, c'est Fierce. Pourquoi ça marche pas? Ça marchait très bien tout à l'heure. Voilà. Ensuite, il y a les deuxièmes. Donc ça, c'est en gros, c'est ma vignette, hein, vous avez compris. Luxury sex doll. Donc là, je ne sais pas pourquoi. C'est simplement des poupées de décoration. Je ne vois pas. Donc, il body color. Donc là, vous voyez, il y a bien marqué que vous allez pouvoir choisir la couleur. Et multiple choice.
Voilà. Donc ça, voilà, c'est pour donner une idée. Et après, il y a Best Love, voilà, et Explore Sensual Paradise. Voilà, voilà un petit peu la promesse qui vous est faite. Alors, il faut que je retourne là-dessus. Ça fait chier que j'ai plus ces deux écrans là. Avant, j'aimais bien. Alors, je vais voir que celle de droite pour le coup, puisque bah voilà, celle de gauche. Je vais mettre ça, celles de gauche, elles sont un peu. Voilà, elles sont un peu explicites. Et je crois qu'il y en a même une là, la Reine des Neiges, là. Voilà. Merci. Ah, il est un peu bas, mon zombie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est bas comme ça, mon zombie? Je mets ici comme ça. Merci à Dub de nous avoir rejoint. J'ai remis des trucs comme ça. Voilà. Donc là, normalement. Tout va bien, et celle qui est enneigée, c'est celle-là. Ouais. Celle qui est enneigée, je peux pas vous la faire voir, parce que elle est à droite et tout. Donc, bah, vous voyez, il y a un peu les modèles, et il y a un peu les prix. Vous voyez, là, par exemple, celle-là, 446$, vous voyez, elles sont toutes à 450$, et en bas, il y en a, elles sont plus chères, à 1200$, mais c'est pas mes favorites. Voilà. Et par exemple, pour vous donner un peu une idée de celle-là qui fait 466$, elle me plaît beaucoup, celle-là. Hein. Ça, c'est mon type de madame, voilà. Donc ça, c'est comme ça. Donc normalement, il y a toujours le Peggy ici. Ok, donc là, ça me permettrait de cliquer sur les vignettes sans que vous voyez, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont un peu olé olé. Alors, il y a celle-là, voilà, donc là, elle est... Alors le problème, c'est que, en fait, eux, les modèles qu'ils vous envoient, elles sont directement maquillées et tout. Donc, c'est plutôt sympathique. Enfin, attends, c'est pas que... Bien que je maxe. Voilà. Il y a celle-là, pas mal. Alors après, en bas, je peux pas vous faire voir, parce que là, c'est trop olé olé. Je vais me faire que la tête. Là, celle-là, elle est sympathique. Il y a celle-là, c'est chaud, mais sans plus, d'accord. Et ça, c'est le dos, d'accord. Donc, on va revenir sur celle-là, pour que vous puissiez un peu voir. Donc, on voit bien, en fait, le modèle. Alors, best-selling, Skeleton et tout, voilà. Donc, Doll, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, 466$. J'ai pas trouvé ça très, très cher. Donc là, vous pouvez choisir la taille. Alors, j'ai vu sur le PDF, apparemment, il y a certains modèles où vous pouvez avoir 1 mètre. Il y a 1 mètre, 1 mètre 30, 1 mètre 50... 1m60, 1m60 et 1m68. C'est précis quand même, hein, tu vois. Donc vous pouvez choisir le modèle 1,48, 1,53 ou 1,68 pour celle-là. Et pourquoi la traduction, c'est quoi? Alors couleur. Ah oui, donc couleur, il y a bronzé, chair, blanc ou noir. Ouais, ça change pas les photos sinon. Donc vous pouvez la prendre en noir, en afro-américaine, si vous voulez. Voilà, en blanche, normale. Toute blanche, chair, ça doit être bah, plutôt blanche. Ah oui, parce qu'il y a quelques modèles ouais, qui sont blancs. Et blanc, c'est dégueulasse. Elles ont l'air mortes. Plus mortes que ça. Donc, tu peux la prendre toute blanche. Ça veut dire, bah, après, tu la peins toi-même. Avec ta couleur à maquette. Tu peux la prendre couleur chair. Donc, comme de la viande. Ou bronzée. Toi, un peu mat, un peu thaïlandaise. Voilà. Donc, voilà un petit peu les. Je vais remettre ça ici. Voilà un petit peu le détail, vous voyez, par exemple, de celle-là, ce que vous pouvez avoir et les déclinaisons. Alors, je vais reprendre un peu les commentaires ici, parce que. Et après, on fera le Q&A qui est extrêmement intéressant. La vache, c'est dingue. Oui, quand il a dit, ouais. On a voyagé, carrément. On va voyager, carrément. On a le même type. Non, mais celle-là, elle est... voilà, quoi. Je veux dire, elle a un petit côté Lara Croft et tout. Alors, oui, c'est... Après, c'est... Enfin, quand on regarde sur le... Quand vous zoomez bien, par exemple, sur la tête, là, ben, on voit bien, voilà, que c'est du... Ben, que c'est du silicone, tu vois, que c'est pas... Juste une meuf qu'ils ont pris en photo, quoi. Alors après, les leurs, elles sont extrêmement bien maquillées. Faut espérer que, quand elles arrivent, elles soient aussi bien maquillées et aussi bien finies que les modèles de démo qu'ils ont. Parce que là, quand même, elles sont quand même... voilà, elles sont quand même, quoi. Voilà. Ça prêterait à confusion, hein, dans le noir. Voilà. Non, tu verras pas le maquillage, on est d'accord. Ça a envie de s'engager l'armée. Engagez-vous, qui disait. Carrément, choix multiple, ça va être compliqué de choisir. Ah ben, il faut prendre les quatre. Tu prends une de chaque couleur. Bah, elle fait quoi? Ça fait 2000$. C'est un investissement, mais 2000$. Alors, l'usine estime que pour un prix d'achat de 466$, tu peux la revendre 2000$. Voilà, tranquille. Alors, je vais voir les entrepôts, puisque bah, le site est quand même intéressant. Ils ont des entrepôts, parce qu'ils m'ont expliqué, alors, ils m'ont fait un mail en disant, voilà, dites bien à votre communauté
qu'ils ont des entrepôts partout. Donc ils ont du stock partout, elles sont dans leur boîte, elles vous attendent. Donc ils ont des entrepôts aux États-Unis, au Royaume-Uni, UA, ça doit être UE, mais mal traduit, au Japon, ou livraison depuis la Chine, l'usine. C'est vrai que la traduction est pas... Je vais le remettre pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. pas plus que voilà. Donc UK, OU, Japon, voilà. Donc t'as, voilà, UK, donc c'est voilà, donc là est en Angleterre, on est d'accord. AU, ça doit être Australie certainement. Japon ou directement depuis l'usine en Chine. Vous pouvez payer par PayPal et tout. Après, bon, vous regardez les options et tout, on va pas aller jusque là, mais voilà. C'est pour vous donner un peu une idée déjà, voilà, un modèle comme ça qu'on a choisi au pif. Parce que alors le problème, c'est que sur celle-là, je vais pas voir les vignettes, mais il y en a quand même beaucoup où elle est quand même assez dénudée. Et que on va dire qu'elle a une forte poitrine. Et un tout petit clit. Voilà. Non, je vais. Voilà. Il y en a d'autres, c'est vraiment, voilà, là, on peut arriver à flouter pas mal et sans trop faire voir, voilà, sans trop se faire bannir. Mais on verra, la Q&A est plus intéressante. Si on aime faire l'amour avec une personne de petite taille, c'est parfait. Ah bah oui, un mètre, oui. Il y a des elfes ou de ce genre. Je sais pas, mais je pense que tu peux le. Je pense que tu peux juste modifier les oreilles. Comme elle a des jolies petites oreilles en silicone, tu contactes directement ou t'achètes des trucs, tu sais, ça doit s'acheter en déguisement pour faire mettre les oreilles en pointe, si c'est ton délire, bien évidemment. Première fois sur le chat de Monsieur Fox, ce titre des enfers. Villeprix, tu prends une escorte. Vu le prix, tu vois. 500, ouais, mais là, 500, en théorie, on verra combien de temps vous allez pouvoir l'utiliser et tout, parce que la Q&A est dantesque. Hein. Vous allez voir la Q&A, j'essaierai de vous lire la Q&A sans trop, en enlevant tous les mots qui sont un peu, voilà, un peu graveleux, mais la Q&A est dantesque, c'est un investissement, monsieur. T'as une garantie et tout. Hein. Vous allez voir, l'entretien, tout. J'en rigole déjà parce que j'ai commencé à lire tout à l'heure. J'ai dit, bah putain, on en est là alors. On en est là pour amener du monde sur Twitch. Bah bravo. Le marché du Toys en PS. Merci beaucoup à Monsieur Snow qui me follow. Voilà. Donc on a. C'était quoi? J'ai pas mis de le nom là. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup, mon pote. Alors, malheureusement, le 18, je suis obligé de vous le mettre devant parce que voilà, vous avez compris que j'ai pas envie de, voilà, j'ai pas envie de faire dégager mon compte Twitch parce qu'on voit un bout de téton en silicone en plus. C'est bien le problème. C'est que du plastique. Ça devrait passer. dans quelques années, il sera carrément des dolls. Oui, mais c'est ça. Après, je pense, ils expliquent en fait, dans le truc, en fait, dedans, il y a une armature en métal. D'accord? Sur lequel il moule le corps, c'est pas du silicone, c'est un autre, on verra la matière tout à l'heure et tout, et qu'en fait ça fait un morceau d'un bloc, et que bah, si tu mets le bras comme ça, comme en fait t'as une armature dedans en métal, si tu mets le bras comme ça, elle reste comme ça. Alors elle fait pas, non, enfin, ça fait pas. Mais tu vois, tu peux la bouger et la mettre dans des positions improbables, tu vois, comme celle-là. Là. Je veux dire, limite, je veux dire, t'as ça, tu fais des photos, je veux dire, tout le monde y croit. Tu dis j'ai ça à la maison, tout le monde te dit c'est pas possible, tu dis c'est possible, j'ai ça à la maison. Après, t'es pas obligé de dire qu'elle est en... c'est du faux, mais bon, voilà. Je crois que les elfes sont grands. Mais j'en ai encore jamais vu avec les elfes. Faudra demander une taille spéciale de 1m98. Un modèle. Il est plus à $466, il est à $699 supplément elf. 2000$ usage, ça fait cher. Bah écoute, moi, je sais pas vous, mais moi j'avais déjà vu un reportage comme ça où il y avait des mecs qui en achetaient et au-delà du côté pulsion humaine, où les mecs les habillaient tous les matins, ils les mettaient à table avec eux, ils parlaient quoi, tu sais, ils parlaient à la dolce. Mais je sais plus, il y avait un film comme ça où il avait une poupée puis il l'emmenait avec lui et tout. Il vous présente ma copine. Il me semble avoir vu une série télé ou un film comme ça. Et il y a une relation qui s'installe. Alors il leur parle, elle est là, il l'habille, il la maquille et tout, tu vois. Et après il la déshabille, il la couche et tout, il la met devant la télé. Et ça fait quelqu'un pour parler au lieu de parler tout seul. Avant moi je parlais tout seul. Après j'ai eu un chat, donc après je disais je parlais au chat. Et là je reviens à parler tout seul maintenant. Donc quelque part, avoir une amie comme ça, et je veux dire, elle est très attentive, elle fait que t'écouter. Elle parle pas, elle est bien. Pas de dépôt en Europe. Il y a la TVA. Non, elle est en UK. Il est en Europe.
En plus. Mais non, il est en dépôt en UK, il me l'a dit, le mec, dans le truc. UK, Ah oui, mais non, mais ah oui, merde! Ah oui, l'UK, c'est plus l'Europe, merde. C'est con, ça. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, il me dit, on a un dépôt en Europe et tout, mais ils ont oublié que l'UK n'est plus partie de l'Europe. Ah oui, donc je sais pas comment ça se passe. D'accord, oui, en effet, autant pour moi. C'est full silicone, on verra ça dans la Q&A. Incroyable la technologie. L'avantage, c'est que celle-ci est facilement recyclable. Pensons à l'environnement. C'est ça. elle fait pas chier. Alors, elle chie pas non plus, tu vois, comme quoi elle fait les deux. C'est l'avantage seul. C'est que je pensais aussi. Ma femme a une date de péremption. Dans quelques années, elle sera plus bankable. Ouais. Puis y a pas de garantie. Ou alors, tu as dépassé la garantie, tu peux pas la renvoyer. En plus, elle coûte cher. Pas grave, même. Même grand, je prends. N'empêche, c'est assez réaliste. Ouais, alors attends, il faut que je remette bien Peggy là pour vous mettre la page d'avant. Alors attends, on pourra en prendre une autre. Attends, pour être sûr qu'il n'y ait pas de. Je sais pas, on va prendre. Alors après, il y en a une là avec des lunettes de ski, mais. Ah oui, c'était elle, elle me plaisait bien, elle. Mais elle a des lunettes de ski et après, elle n'a plus rien dessous. Elle est nue, elle est. Quelque part, je veux dire, elle est nue dans la neige. Donc celle-là, attends, celle-là, je peux vous faire voir l'image. Voilà. Après, je peux vous faire voir l'image. Celle-là, elle est folle. Je ne vais pas faire mon vieux pervers, mais celle-là, elle est dingue. Alors attends, deuxième photo. Ok. Là, malheureusement, je ne peux pas vous la faire voir celle-là. Celle-là non plus. Celle-là, il y en a un peu toutes les autres. Toutes les autres, c'est un peu trop. Non, celle-là, elle est. Je me demande si c'est pas des images de synthèse à la base, que vraiment là c'est quand même juste fou. Je me demande si ça, tu vois, c'est pas des images de synthèse et que la poupée. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est des images de synthèse et que ou alors soit c'est des vraies photos et ils les ont maquillées, mais vraiment comme des porcs. Ils les ont vraiment fortement maquillées et on voit pas la différence. Moi, c'est des images de synthèse et le produit que tu reçois, dire à bouche ouverte, comme ça. Je le fais bien, hein, t'as vu? Bah, je me suis entraîné avant. Voilà, on va se mettre ça comme ça. Voilà. Ok, je relis, je vais descendre vos commentaires et après on se fera la Q&A. Q&A. bonjour, Rer. Dire que comme un con. J'attendais sur YouTube. C'est exactement ça. Mais il s'est marqué en gros. En fait, je pense que dans le titre, il y a marqué uniquement sur Twitch. Et voilà. Le but, c'est aussi de ramener un petit peu, parce que vous êtes déjà 38 ce soir. C'est pas mal. Le film, c'est un acteur FR qui était humoriste. Il me semble, il y avait un truc comme ça où il dit, oui, je vous présente ma copine et c'est une poupée en silicone et tout. Enfin, tu sais, dans ce genre-là. Mais il y avait un truc comme ça. Ça me dit quelque chose. Meilleur vœu pour toi. Bah écoute, merci pour toi aussi, Dexter. Oui, c'est plus l'Europe. Ouais, c'est exactement ça. Oui. Et je pense qu'eux aussi, ils disent oui, on a des entrepôts en Europe, en UK, mais il faudrait qu'ils en mettent en Roumanie, en Pologne. Voilà. Attention, en Pologne, ils risquent de t'envoyer une vraie. Enfin un stream où on apprend des choses. Enfin un stream informatif, on est d'accord. Les lives sur Twitch maintenant, exactement. Oui, bah après ça va rentrer dans les mœurs, hein. Je pense que là, la plupart qui vont attendre sur YouTube, qui vont voir que ça commence pas, ils vont commencer à lire le titre et la description. Et dans le titre et la description, on va bien marquer qu'il y a marqué uniquement sur Twitch. Voilà. Donc après, au pire, regardons le replay, hein. C'est pas très très grave. Dans Wiki, il est dit qu'il existe des maisons spécialisées en Asie avec des dolls. Es-tu au courant? Alors malheureusement, je suis parti en Asie beaucoup trop tôt et moi, Shenzhen, j'avais pas. Il y avait d'autres trucs bien, hein. Je ne peux pas vous parler. Mais il y avait des trucs pas mal aussi, voilà. Mais enfin, on m'a dit, voilà, parce que moi, évidemment, je pensais bien, je suis. Voilà. Merci à ce nouveau follower, à Funyoyo. Moi, évidemment, je ne connais rien, mais on m'a dit voilà, que dans Shenzhen, voilà, il y avait quelques endroits qui étaient quand même assez sympathiques aussi. Voilà. Mais encore une fois, je n'ai jamais pu vérifier, je suis obligé de croire la parole d'autrui. voilà, 38 viewers, bande de cochons. non, mais ils viennent là pour se renseigner. C'est assez réaliste, c'est fou. Non, mais les photos, Photoshop. Je pense qu'il y a quand même. Greg est un bon prof quand même.
une bonne prise pour améliorer le système éducatif. Je sais pas, par exemple, il y en a qui sont moins bien. Alors attends, il faut bien que je mette. Que je mette bien le ici là voilà sur pour être sûr de pas il y en a qui sont moins tu vois regarde elle est vilaine voilà je vous fais voir un peu en plus elle a quasiment que des photos où elle est habillée tu vois là c'est moins tu vois c'est moins ouf même habillée en écolière comme ça voilà et puis la dernière ils ont oublié de mettre ses vêtements là elle est moche quoi. Je veux dire là ça ressemble à rien mais toi là on est plus dans dans ta dans 148 158 168 mais toi là on doit plus être dans la couleur white toi ça que et moins dans la couleur chair comme on a vu tout à l'heure et elle fait quand même 446 $. Oups là, vous avez vu de dessous. Un accident. C'est un accident. Non, non, il y en a qui sont pas terribles, quoi. Après, voilà, désolé, j'en vois un peu comme ça. Il y a qui attends, bah elle, là, fais voir. Oh la vache, c'est animal. C'est équipé. Voilà, donc là, celle-là, tu vois, là, pareil, couleur blanc comme ça. Voilà, bien parce que je pense qu'il les maquille bien. De toute façon, ceux qui viendront en Thaïlande, même un garçon bien maquillé, ici, on dirait des filles, tu vois. Donc, même une poupée bien maquillée comme ça. Donc là, ils ont oublié de les mettre des habits. Là, elle est assise. Là, elle fait la vaisselle. Là, elle t'attend. Là aussi. Et là, elle a des jolis cheveux, hein, dis donc. 446, tu vois, 148, 158, 168. Voilà, voilà un petit peu. Oups. C'était pas assez vite. Ouais, mais en même temps, c'est du plastique. On va dire, ça passe. Voilà. Donc, on va mettre ça comme ça. On va mettre ça ici. Voilà. Je le mets comme ça et après, on se fait la Q&A. Voilà, ok. On était où? On était où au niveau du chat? Penez, il faut faire plus. Alors, était un bon prof. Ok. Monique, le film de. Ah, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Exactement. Tu sais, il y en a qui ont de la rêve quand même. Hein. Il n'y a pas d'entrepôt EU. Donc, bah, apparemment, non. Donc, rajouter 20% de TVA. Quoi. Bon, enfin, bon, celui-là, prix d'achat. Celui-là, prix usine à 446 $. Rajoute 46 $, le dollar il doit être un peu haut, tu vois, donc il doit falloir rajouter à mon avis, normalement il est 10% plus haut le dollar, donc tu rajoutes 10% pour la TVA, ça fait un produit à 400, tu rajoutes 10%, 50 balles, ça fait un produit à 500 balles, 500 euros TTC, à mon avis, hein, dans ces prix-là, en prix usine, encore une fois. 500 euros TTC, c'est pas un prix de ouf, hein, encore une fois, parce que les prix sont en dollars, donc tu rajoutes en euros 20%, voilà. J'ai vu un proposo sur elles sont vraiment comme ça. Oui, c'est ça, oui, je pense. Mais c'est toujours pareil, hein. Je veux dire, bon, n'importe quelle vilaine, tu lui mets un bon maquillage, et encore plus, je veux dire, moi, je suis en Thaïlande, je veux dire, plein de filles ici, enfin, on m'a raconté, le soir, à l'insomnia, bien maquillée, le lendemain matin, après la douche, tu fais... Elle est où, ta sœur? Voilà, quoi. Donc, je pense que même une poupée comme ça, aussi voluptueuse soit-elle, bon, bien maquillé, bien fait, bien maquillé. Alors, soit il les livre bien maquillé, tu sais, c'est un peu comme les. Tu sais, c'est un peu comme les. Tu sais, il y a des fois, tu peux acheter des trucs manga et tout comme ça, et il y a des versions en Chine qui sont non peintes. Et dis-moi dans les commentaires. C'est-à-dire que les mecs lisent pas. C'est-à-dire que tu vois une photo d'un truc trop bien, tu sais, dragon avec des trucs comme ça, et tu le reçois et t'as une version non peinte. Et c'est dégueulasse, c'est un truc tout blanc, tout dégueulasse. Et à peindre toi-même, c'est horrible. Et là, je pense qu'une meuf, pareil, c'est comme ça. C'est-à-dire si la meuf, elle arrive maquillée, bien belle comme ça, d'origine, c'est top. Si elle arrive toute blanche, toute livide, comme on a vu sur certaines, là, bah, je veux dire, là, ça fait peur. Tu dis, la maquiller toi, je pense que ça va être un vrai carnage. Demander à une copine de venir à la maison pour maquiller la meuf que, après, tu espères dormir avec, ça va être un petit peu compliqué, voilà. Il faut voir comment ils les proposent. Le jour où ils font quelque chose de vraiment sophistiqué, réaliste, avec une interaction et financièrement attractif, mais j'imagine tous les travailleuses du sexe l'ont dans et les femmes du marché du sexe. Mais après, quand tu regardes certains films d'anticipation, c'est vraiment vers ça que ça veut aller. Ça veut dire que là, pour l'instant, bah, c'est juste un truc en silicone, mais déjà, physiquement, ça a quand même pas mal évolué, quoi, par rapport aux vieux fantasmes de la poupée gonflable qu'on avait, genre une espèce de genre de ballon, tu sais, en haut comme ça, tout dégueulasse, qui ressemblait à rien. Là, t'arrives quand même quelque chose de beaucoup plus réaliste, même dans les modèles les plus bas de gamme. Donc t'imagines que oui, après, attendre que Tesla sort son robot, mais t'en mets une avec des... Mais alors, vous aviez pas vu, parce que malheureusement, il y avait une vidéo en Chine comme ça, où ils en ont, hein, avec des moteurs dedans.
Alors je peux pas vous la faire voir là parce que là malheureusement t'as un espèce de juste le tronc avec le truc écarté, le mec qui regarde il teste le truc, il met les doigts dedans et tout, c'est pour voir un peu la qualité. Mais tu vois en fait c'est des troncs et il y a des batteries comme ça et ça bouge dedans, tu vois, il y a l'interaction et tout. Donc c'est encore une fois je pense le prémisse de plein de trucs, mais ils vont y arriver au bout d'un moment où, alors là pour l'instant c'est juste une armature, mais après il suffit que tu mettes un peu des moteurs ou une télécommande pour faire bouger les bras. Tu peux arriver à quelque chose d'un peu plus réaliste, connecté avec ton compatible Android et iOS. Pourquoi pas. Bonne idée d'investissement. C'est ton excuse. C'est ton excuse, modérateur. J'ai pas. Ah ouais, bon, il y a pas 32, ça. On a perdu un petit peu. Les femmes aussi ont la même chose. Oui, alors en fait, regardez sur le site en haut, il y a. Item for sale, il y a for men ou for women. Alors malheureusement, for women, donc t'imagines que c'est le même, mais enfin, c'est les garçons avec un attribut supplémentaire qui doit être toujours en action ou un truc démontable, en kit, à visser peut-être. Mais il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de rien. Donc malheureusement, dans la rubrique pour femmes, ils doivent en avoir à mon avis, mais il n'y a pas encore de photo. Enfin, ce sera un prochain live. Les femmes aussi ont la même chose, ça va être le bordel. Balance-nous le site, je vais checker ça. Je vous balancerai ça tout à l'heure. Je vous balancerai ça à la fin pour vous garder. Notre présent n'est qu'à tous scientifiques. C'est pour savoir ce qui se fait, c'est ça, pour savoir un peu ce qui se fait. On parle en ingénieur. Ouais. Et moi, je suis mauvais, je suis capable de réparer en plus. Toi, t'imagines la classe. On est tous pour le business. Non, mais après, c'est pas une mauvaise idée. Je veux dire, tu fais quitte à faire du drop and ship. Faire un site un peu propre, reprendre toutes leurs photos cochons, remettre. Je suis sûr qu'il y a un marché. Hein. Et puis, si les mecs commandent, voilà, tu fais le même formulaire qu'eux, tu encaisses l'argent par PayPal, et puis une fois qu'ils ont fait commande, tu fais la commande sur le site et tu expédies au client. Moi, je dis, tu ferais ne serait-ce que 2 points de marge. C'est-à-dire que le truc, tu le vends à 450$, et 450$, tu le vends à 900$. C'est-à-dire que tu fais quand même 2 points de marge, ça vaut le coup de faire un site. Bon, je vais arrêter le live, j'ai un site à faire. exactement, ceci est une expérience scientifique. Je vois pas vraiment de quoi tu parles pour les garçons maquillés et habillés en filles en Thaïlande. C'est une rumeur qui traîne sur Internet. C'est ce qu'on appelle... Alors, il y en a qui disent c'est un wax, il y en a qui disent c'est plutôt une légende urbaine, tu vois. On sait pas trop. Les gens s'embrouillent, il y a beaucoup de termes comme ça, et on n'est pas sûr de trouver. Je crois que c'est une option de le recevoir maquillé. Peut-être, mais bon, dans le dépliant, pas dans le dépliant, dans le formulaire, c'était pas indiqué. Ça veut créer un site, Greg, un WordPress, un WooCommerce. Hein, tu mets un WordPress. Regarde, vous faites un WordPress, genre un blog, tu sais, un peu sympa. Et là, vous faites des articles en présentant les meufs, leurs caractéristiques. Tan est une fille, non, Tan, c'est pas Tan, c'est l'autre. C'est une fille super charmante et tout. Comment elle s'appelle? Fierce. Découvrez Fierce. Rencontrez Fierce pour un rendez-vous galant. Fierce, c'est une fille super sympathique. Tu fais un article, tu mets des photos, nanana. Et là-bas, tu mets le prix. D'accord. Et sur ton WordPress, tu leaks un WooCommerce et sur ton WooCommerce, tu mets PayPal et t'encaisses l'argent et tu les mets dans la boutique, acheter, paiement PayPal, le mec te paye et après toi tu commandes à l'usine et tu l'envoies en drop and ship. Bim, 2 points de marge, $400 à chaque fois. Bon, c'est la vie est pas aussi simple que ça, mais voilà. Après merci beaucoup à Néotech. Putain, j'ai eu peur. Néotech de me suivre. Moi j'ai lu vite et puis j'ai cru que de Néotech on était passé à Néotech quoi. Attends, je vais le mettre là à droite. Voilà, ça sera mieux. Ou alors attends, je peux peut-être le mettre par-dessus. Voilà, là ça sera bien. Voilà, là il est pas mal. Là on est pas mal. Voilà. Donc, bonjour à Néotech. Le mug. Alors attends, c'était facile, mais je suis pas sur le bon truc. Oui, mais c'est l'idée de se faire ingénieur dans ça. Bon, après, il faut une combinaison de WC pour travailler sur le truc usagé. Oui, c'est ça, ouais. Les trucs déjà utilisés. Non, mais après, rajouter des vérins, c'était un bon coup, mais rajouter un peu des moteurs pour faire plier les bras et les doigts comme ça, ou toi, je sais pas, faire. Il y a des trucs à faire encore, hein. Il y a encore un business à faire. Le pic de la femme pour sa beauté, c'est à quel âge? 20 ans, 25 ans, après ça décline.
Sans commentaire, j'ai toujours l'espoir d'en trouver une. Beaucoup de bonjour à Néotech. Non, le problème, c'est que Néotech, tu as le même pseudo qu'une autre chaîne Twitch qui s'appelle... voilà, Néotech. Presque pareil, voilà. Bon, on va se faire le Q&A. Le truc le plus intéressant. Alors, Q&A, je peux enlever le... Là, il n'y a plus besoin du Peggy, en théorie. Il est où, mon Peggy? Alors, il est où? Non, c'est pas ça. Il est où? Là. Ouh, bon, merci. Bonjour à monsieur X. Putain, mais pourquoi je peux pas l'enlever? Il est où, ce truc, là? Ce truc vilain, là? Là. Voilà, ok. Donc, Q&A. Je vous lis la Q&A, et voilà, je vous laisse un peu... je vais la traduire en français. Voilà. Il n'y a pas moyen que je mette cette page un peu plus à droite, là. Oh, c'est pas mal, ça. Voilà. Donc... FAQ sur les poupées, voilà, pas aux questions. Nous avons des questions sur les poupées de notre entreprise, nous avons compilé une liste de questions qui sont fréquemment pensées pour venir à la question. Alors, quelle est la différence entre le silicone et le TPE? Voilà, quelle est la différence? Alors le silicone et TPE sont tous deux des matériaux de haute qualité, évidemment. Le silicone est généralement considéré comme le matériau le plus durable et le TPE comme le plus réaliste. Voilà, voici les principaux attributs de chaque matériau. Là, on est dans le scientifique, hein. On est dans l'information, on est dans le scientifique et on est dans la connaissance. Alors, les avantages du silicone. Parcourir les poupées en silicone. Alors, on ne va pas cliquer dessus parce qu'ils n'en ont pas. Alors, un peu plus dur que le TPE, mais aussi plus durable. Plus cher, d'accord. Plus facile à nettoyer. Forcément, pour la douche. Sans danger pour le corps humain. Voilà. On va prendre le TPE. Putain, le TPE, il est balèze. Alors, parcourir les poupées en TPE, on va pas le faire, mais... Alors, le TPE est plus doux au toucher, donc plus sensuel, hein, bien évidemment. Jigging plus réaliste des parties du corps, hein, donc voilà, donc... il y a qu'à tâter, quoi, voilà. Les matériaux sont plus élastiques, ce qui permet aux poupées d'être plus souples au niveau de leurs articulations. On peut voir ça comme ça. Bonne rétention de la chaleur. Garde, pour vos hivers... Tu es tout seul pour ton hiver. Tu peux prendre une poupée et t'auras bonne rétention de la chaleur. Moins cher. Donc là, on a vu, bon, 400$. Je trouve pas ça hors de prix, encore une fois. Sans danger pour le contact humain. Donc ça tombe bien. En plus, si elle tient chaud et que tu veux des hugs gratuits ou des câlins. Moins durable que le silicone. Il faut plus de soins pour la nettoyer et l'entretenir correctement. Voilà. Donc voilà un peu les différences. On va continuer la FAQ, mais je lis vos commentaires entre temps. je vois ce que tu veux dire. Tous les entrepôts sont sold out sauf l'entrepôt aux US. Mais écoute, je sais pas. C'est ça, sont-elles waterproof? Et puis certainement l'entrepôt de Chine. Je pense, après, il faut regarder un petit peu, mais je pense vraiment leur intérêt c'est aussi de commander directement depuis la Chine. Quitte à payer la TVA, que de la faire livrer de UK ou de Chine, autant la faire livrer depuis la Chine. Ça fera un gros colis. Elles sont waterproof? Bah, en théorie, oui. Comme quoi, tu peux rajouter silicone et technologie à tes chaînes. Tu devrais en acheter une et l'appeler Jeanne. On en parlera après, juste après. Alors, quelle est la différence entre un amovible et intégré fixe? Alors, l'orifice... intégré ou fixe, exactement comme ça sonne. Le vagin est intégré de la poupée comme une vraie femme. Le vagin amovible est un manchon ou un tube flex-light que vous pouvez insérer et retirer de la poupée. Le tube est maintenu en place par les lèvres de la poupée. D'accord. En gros, si vous n'êtes jamais allé chez le gynécologue. En même temps, moi, je pense que non, ouais. Mais vous n'avez pas la télé. Tu écartes le truc. Tu lui mets dedans en amovible. Oui, comme un espèce de... Ça existe des vagins là, en plastique. À mon avis, c'est simplement ça qu'ils ont intégré dans le dossier. Donc, tu écartes. Pas besoin d'un écarteur. Hein. Tu écartes, t'enlèves le truc, tu le nettoies à l'eau et tu le remets. Alors, c'est vrai qu'après, le problème, c'est que s'il est intégré, tu es obligé de la prendre, de la mettre sous l'évier ou d'y aller avec une éponge. Ah, après, c'est dégueulasse. Ce qui est mieux, la plupart de nos clients préfèrent celui intégré car il offre une expérience la plus réaliste, mais celui amovible est plus facile à nettoyer et à remplacer. C'est ce que je veux bien comprendre. Si vous appréciez le réalisme complet, vous devez obtenir un intégré. Si vous voulez quelque chose de plus facile à sortir et à nettoyer après utilisation, vous devez envisager un amovible. Et ce qui est bien pour ceux qui sont un peu ambigus, c'est qu'à mon avis, celle qui a un truc amovible, c'est plus facile de la transformer en garçon.
Bon, ça, on en parlera plus tard. Voilà. Je vais appeler Brigitte. Eh, Brigitte est un homme. Attention, ouais, c'est un nouvel truc. Fais gaffe quand même aux surprises. bordel, c'est dégueulasse. Oui, on sait. Ça passe au lave-vaisselle, le truc amovible. Ça doit pouvoir passer au lave-vaisselle, en théorie. Y a pas de raison. Ah merde, j'ai cliqué sur ton pseudo. Attends, autant pour moi. Ici. Red. Oui, parce qu'en fait, c'est plus facile, parce qu'après, s'il faut la mettre... T'imagines, il faut la mettre dans le lave-vaisselle entière, il faut la plier, plier les jambes, plier les bras, mettre dans le lave-vaisselle, avec le truc qui tourne en haut, à tous les coups, ça va bloquer. Voilà. Bon, combien de temps dure une poupée? Ah, ça, c'est intéressant. Alors, une poupée durera entre 2 et 10 ans, selon l'utilisation et les soins. Une poupée qui est fréquemment utilisée et déplacée sera plus susceptible de souffrir d'usure. Il y a beaucoup de choses que les propriétaires de poupées peuvent faire pour préserver et entretenir leurs poupées. Si des dommages surviennent, il est également assez facile d'effectuer des réparations sur votre poupée. Voilà. Donc, il y a quand même un problème de maintenance, c'est que bah, si vous l'utilisez trop, bah, vous allez abîmer le silicone, bien évidemment, et si vous la déplacez trop, encore une fois, c'est pas fait pour ça non plus, c'est fait pour rester à l'horizontale, elle vous attend, et puis, voilà, et une fois par semaine, pas plus, si tu veux la garder longtemps, voilà. Comme maman, comme si t'avais une vraie, c'est une fois par semaine, le week-end, et encore 3 semaines par mois, parce qu'il y a une semaine où ça, voilà. Donc, c'est le même usage. Monorire, comment tu peux créer ton entreprise maintenant? Tu laves et entretiens. Oui, c'est ça. Et moi, je connais Carmen, il fait de l'entretien de piscine. Et toi, tu fais entretien, service. Voilà. Tu vends les poupées, tu assures l'entretien avec. Entretien, maintenance, réparation et mise à jour. Mise à jour. Ah, bah, bien sûr, on peut mettre à jour. On peut l'upgrader. Par exemple. Pardon, le développeur ne comprend pas. Le soin, c'est l'esthéticien. La durée d'utilisation, il faut enlever la surche pour éviter de trop. Voilà, ouais, non, mais c'est ça. Oui, après, bah, tu mets une bouillotte, celle qui s'ouvre, tu lui mets une bouillotte au fond et elle tient chaud. Alors, combien de temps dure la poupée? Ça, on a vu. Alors, nous proposons des kits de réparation gratuits. Ah, voilà une bonne nouvelle. On apprend plein de trucs, ça. Nous proposons des kits de réparation gratuits pour tout dommage signalé à la poupée. Et chaque poupée est livrée avec un kit de nettoyage complémentaire pour garder votre poupée en parfait état. Nous avons également de nombreux articles de blog et conseils utiles pour que vous puissiez garder votre poupée comme neuve. Et tu vois, quand je vous dis, par exemple, moi je vous dis ça comme ça, mais vous créeriez un blog sur les poupées. Tu fais les modèles, hein, tu présentes les meufs comme ça, comment entretenir en reprenant un peu ce qu'il faut, les réparations, l'entretien, le maquillage, les oreilles pour Delphes, les différents, voilà, l'upgrade, des machins. Tu fais plein d'articles comme ça, super intéressants. Vous pouvez ranker comme un petit cochon. Et après, sur votre WordPress, vous mettez un WooCommerce et vous mettez la boutique en ligne avec les mêmes poupées que ça, livraison uniquement depuis la Chine, comme ça vous faites pas chier. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir du stock. Livraison depuis la Chine, comme ça, voilà, il n'y a pas de truc. Et chaque fois qu'il y a une commande, vous prenez votre com et tout, avec un blog, en fait. Et limite, je sais pas dire. Professionnellement, je pense que ça vaudrait le coup d'en acheter une pour vous. Pour que vous puissiez en avoir une à la maison et faire un blog, des photos et l'entretien. Et voilà, genre même si vous avez une femme, vous lui expliquez que c'est pour le travail. Et l'entretien, et la réparer et tout comme ça. Et faire un truc vraiment pour les gens qui en ont et qui savent, à mon avis, pas comment bah, la réparer, la nettoyer, la maquiller et plein de choses. Est-ce qu'on peut mettre une chauffette? Est-ce qu'on peut la mettre au lave-vaisselle et tout? C'est des questions qui sont certes rigolotes, mais je suis convaincu que les mecs qui en ont une doivent se poser 1 milliard de questions auxquelles vous pouvez répondre, bien évidemment. Entretien et testeur. Ne suce que si on s'en sert. Une rustine. Ah, trop fort cette idée de création d'entreprise. Non, mais c'est. Moi, je pense que. Il y a un blog. Il y a au moins un. Je pense, dans un premier temps, même si vous voulez pas lancer, je pense qu'il y a un blog sympa à faire. En mettant poupée, en titre, poupée silicone.com ou ma poupée silicone.com ou.
ma première poupée silicone.com. À mon avis, ça, c'est du genre long comme ça, c'est très très long. Mais de faire un blog informatif en présentant les meufs, en faisant une petite histoire, je vous présente Sacha, voilà, truc, c'est une ravissante jeune femme des pays de l'Est en habit militaire avec ses longues nattes que vous pouvez tenir tel un cheval, voilà. Et faire un blog bien complet, je suis sûr que ça peut ranker, puisqu'il y a plein de trucs comme ça qui sont super intéressants, que je découvre en même temps que vous. Bah, j'avais lu le début, parce que, voilà. Et tu te dis, et s'il y a moyen, après, une fois que ton blog marche bien, que tu te rends compte qu'il y a un trafic et que les mecs te sollicitent, c'était un peu le cas, par exemple, moi, pour les téléphones chinois avec Skyphone, c'est-à-dire qu'au début, je faisais un blog, je parlais juste de trucs comme ça et tout, puis après, les mecs disent, ah, tu devrais en vendre quand même. Ah, le mec dit, ah, vous devrez en vendre. Bah, tant qu'à faire, tu crées ta boutique et tu bascules d'un blog informatif à un business model, même en dropship, parce que là tu vas pas les stocker chez toi, ta femme voudra vraiment pas. Là le garage, je commence à dire que tu commences à les stocker trois tailles, enfin les trois tailles, quatre couleurs, 1m80 de carton, ça va te prendre un peu du volume. Bonjour monsieur, bon, je vous ai fait la totale, la vie dans l'emplacement de la vagin de la bouche, mise à jour est offerte, vous avez mis une version japonaise, Yamate, un petit upgrade, je vous ai bridé les yeux, je t'imagine, on vous la passe au marbre, ok, je pense pas qu'elle accepterait. Ouais, mais c'est pour le travail, je veux dire, après, si tu arrives à générer des revenus, je pense que ta femme sera complaisante, en disant, ah ouais, quand même, 400 balles par poupée, quand même. Si tu pouvais, je veux dire, le jour où tu fais un blog et que tu commences à vendre un peu de la poupée en dropship et prendre 400 balles par poupée, minimum, hein, parce que là, on parle d'un prix en faisant x2, dans l'argumentaire, ils estiment faire x4, hein. Alors peut-être que x4, c'est TTC avec la première révision offerte, tu vois. Voilà, une petite jupe et tout, tu sais, voilà, une petite jupe H&M et tout, voilà, c'est un petit truc sympa. Mais après, si tu prends 400 balles par poupée, tu as ta femme, écoute, on fait dans la poupée, je prends 400 balles, elle va dire, écoute, commence à les stocker à la maison, hein. C'est-à-dire que les femmes sont toutes les mêmes, mais après, quand il y a du business, au début, tu vois, ouais, ton truc, puis après, quand l'argent commence, ah ouais, ah, vraiment, on peut gagner de l'argent avec ça? Bah là, tu vois, ça va changer tout. Bonjour à Planet Shopping. On peut investir, j'ai mon entreprise, service à la personne, moins 50%. Je vois que monsieur est un connaisseur. Ouais, ah bah on a des spécialistes. Alors attends, comment nettoyer une poupée? Alors, nettoyage d'une poupée, après utilisation. Après lui redonner à manger, quoi. T'as à manger, à regarder la télé et tout, est une partie très importante de la possession d'une poupée. Non seulement vous garderez votre poupée en excellent état, putain, vite les moisissures surtout, hein, les champignons, les moisissures, puis les odeurs, mais vous protégerez également des dommages. Heureusement, nettoyer votre poupée est un processus facile qui peut être complété en quelques minutes. J'ai envie de dire la suite tout de suite, là, pour savoir. Alors, quelle est la meilleure façon de ranger? Ah, oui, ou ranger, ou la ranger, c'est vrai ça. On la met dans le placard. Assis, hein, à la table, elle t'attend. La meilleure façon de ranger votre poupée est à la verticale. Ah, j'aurais cru à l'horizontale, moi. De préférence, suspendue à quelque chose, peut-être à votre placard, à une corde. T'imagines, dans le placard, la meuf attachée avec une corde, comme ça. Alors, la poutre, je l'ai mis moi-même, j'ai acheté la corde. C'était là, le mec qui rentre chez toi, il fait, regarde, elle est pendue comme ça. Ben, c'est le mode d'emploi, ils ont dit accrocher... Alors, chacune de nos poupées est livrée est un kit de rangement. Ah, que vous pouvez accrocher votre poupée pour un rangement facile en accrochant votre poupée dans un endroit frais et sombre. C'est dégueulasse. Elle sera à l'abri des dommages. Il existe également d'autres solutions de stockage si la suspension n'est pas possible. Passez votre poupée en position assise ou allongée sur le dos. Ah, merde. Je me suis lâché sur... Putain, mais il est long le truc. Je me suis lâché sur la souris. Alors attends, combien de temps? Oh, ça va, c'est pas si long. Alors, la suspension n'est pas possible. Placez votre poupée en position assise ou allongée. Sur le dos sont également des positions de stockage populaires. Assurez-vous simplement qu'elle ne porte pas de vêtements serrés ou des tissus de couleur foncée pendant une longue période. Eh oui, elle va décolorer. Trace de bronzage, on appelle ça chez nous. Ni le masque. Le masque FFP2. Si vous mettez un masque FFP2, ne mettez pas un masque de couleur. Hein, ça va décolorer votre poupée. Le tissu de couleur foncée peut tacher la peau.
Bien évidemment. Et la poupée après une exposition prolongée. Les principales choses que vous devez éviter lors du stockage de votre poupée. Putain, il y a plein de trucs super intéressants. Contact avec des tissus de couleur foncée. Ceux-ci peuvent tacher la peau de la poupée. Vêtements serrés. Des choses comme des bandes élastiques peuvent laisser des marques permettant permanentes ou des indentations de votre... Oui, bah, éviter les menets, éviter les cuirs, moustaches, les fouets et les menottes. Hein, ça risque d'abîmer la poupée, ça paraît un peu évident. Lumière du soleil. La soleil peut décolorer sa peau. Oui, ne la mettez pas au soleil, elle ne va pas bronzer, ça c'est sûr. Température extrême. Les températures chaudes et froides peuvent déformer la fonctionnalité de votre poupée au fil du temps. Ça serait dommage. Il doit s'agir de températures extrêmes, pas besoin de s'inquiéter, des fluctuations normales, mais en dessous de zéro, la chaleur extrême doit être évitée. D'accord, donc attention à l'utilisation. Point de pression. Si quelque chose appuie sur la peau de la poupée pendant une longue période, vous pouvez constater qu'une une détérioration permanente. Il est important que la poupée soit suspendue en l'air ou repose sur une surface douce. Comme vous, par exemple. Comme toi, gros coquin. Après la douche. La peau de la poupée va-t-elle tacher? Alors, la peau de poupée sera durable. Combien de temps prend la livraison? Alors, une fois expédiée, votre poupée arrivera dans un délai de 3 à 7 jours, selon le temps qu'il faut pour passer la douane. Combien de temps faut-il pour recevoir la poupée? Alors, une fois votre commande passée, 2 à 3 semaines pour la production et l'expédition. Vous devez attendre la poupée dans 3 semaines suivantes. Parfois, des raisons, le nombre de commandes reçues, ou si la poupée est passée les assurances qualité. Il la teste avant tout. Merci beaucoup pour le petit Tipeee de Effet Shopping. Merci mon pote. En cas de retard, nous inclurons des articles gratuits dans votre commande, tels que des perruques supplémentaires, des vêtements ou même une tête supplémentaire. Ils savent vous faire plaisir, les Chinois. Ça veut dire que si ta commande elle est trop longue à être traitée, qu'elle part en retard, tu pourrais avoir des petits gifts, comme des petites perruques, des vêtements, coquin bien évidemment, oui, tu le sais, ou une tête de rechange. J'adore. Vous, je sais pas, moi je me régale. Alors, puis-je récupérer ma poupée sur un lieu où elle va livrer par la poste? Oui, vous préférez récupérer votre poupée sur un lieu et faire livrer à votre domicile, vous pouvez à disposition de FedEx, UPS, donc là dans les entrepôts, bien évidemment. Je viens chercher le carton d'un mètre 80 là. Alors, dois-je payer des frais d'importation ou des taxes? Alors, bien que pour probable, certaines expéditions obligent le client à payer une taxe d'importation, comme les bureaux de douane sont payés afin de faire livrer son colis. Bien que nous couvrons les frais d'exposition avec le transport de colis, nous ne fournirons pas d'assistance pour les taxes d'importation. Vous ne voyez pas de réponse à votre question, n'hésitez pas à leur envoyer un mail. Après, il y a quoi dans le... Je crois que c'est tout. Après, il y a pour les femmes, comment utiliser votre poupée. Et après, QNR. Là, je pense que c'est à peu près pareil. Maintenant, QNR, c'est ce qu'on a. Et après, il y en a comment... How to use. Bon, de toute façon, on va reprendre unboxing. Ah, hey, moi, je suis spécialisé dans unboxing, ça tombe bien. Le jour est finalement arrivé. Après quelques semaines, votre est arrivé là. Alors, transportez soigneusement le colis, ouvrez l'emballage. Attention au cutter. Hein. Lavez-vous les mains. C'est très Covid. C'est très très propre ce qu'ils font. Déballez la tête de votre nouvelle poupée. Oh, génial. Vérifiez les autres accessoires. Retirez la mousse de la poupée. Soulevez la poupée hors de la boîte. Et attachez la tête à votre nouvelle poupée et tout. C'est génial. C'est génial. Je me suis désolé. C'est génial. On a appris plein de trucs aujourd'hui. Bon, je continue vos commentaires. Le coup des nattes. En plus, tu mets gras et tu mets en gras. Elle est fidèle, garantie à vie. J'ai pas compris. Je prends pas. Dommage et sans emmerde, excellent, c'est sûr. Faut vendre un abonnement pour ceux qui veulent pas acheter cette poupée. En location, ah, c'est crade. Remarque, location avec un vagin amovible en même temps. Tu mets la poupée comme ça, voilà, le mec il a sa poupée, tu lui envoies son propre vagin amovible, tu dis c'est le seul truc que vous pouvez garder. C'est le seul truc après, une fois que c'est fini, vous le gardez, vous me renvoyez que la poupée, on n'en parle plus. Voilà. Petite caution pour la location, mariage, enterrement, bar mitzvah, livraison de poupées à domicile, voilà, une compagnie pour la vie. En raison de plus de faire les soldes, habiller sa dolce, c'est ça. Oui, c'est pour votre femme? Non, c'est pour ma dolce. C'est pour votre femme, votre copine? Non, c'est pour ma dolce. Elle fait combien? Elle a une... Voilà.
perle de natte, mon pote, je peux dire. Ah, bordel. Mais cette chaîne, c'est une pépite des entrepreneurs de génie. C'est ça? Non, non, mais rigolez pas. Mais vraiment, moi, je suis convaincu que de faire un blog propre, complet, avec des histoires, des tutos, des choses comme ça, je suis sûr que ça pourrait schéma. Après, t'es pas obligé d'en vendre tout de suite, mais après, si t'as vraiment de la demande, contacter les usines chinoises en disant « Attends, j'ai le plus gros blog d'informations sur les dolls, entretien, maintenance et réparation. » Et puis voilà. Voilà. On la range sous le lit ou dans le placard. Blindé d'avant. Ah non, ils ont dit pas trop à l'horizontale, hein, c'est pas trop bon. Ça part en BDSM. C'est vrai, ça va, le fait de savoir, pour avoir la place pour la ranger, et il faut au-dessus de la machine. Et assis sur la machine à laver, ça a de la gueule. Parce qu'ils ont dit que assis, ça va. Et tu l'assis sur la machine à laver, et pour peu que tu aies une avec un hublot, tu lui écartes les jambes, et tu as le hublot juste dessous, il y a une photo d'enfer à faire. Tu t'imagines la scène? Elle est assise sur la machine à laver, les jambes écartées, toi tu as le hublot, et tu mets ton linge dedans. La photo serait incroyable. La photo. Ton blog va marcher, hein. Votre blog va marcher, hein, je vous le dis, moi. On la suspend comment? Par les aisselles. Non, je sais pas. Non, mais il y a un kit, apparemment. Je sais pas, non, mais il doit y avoir un truc, peut-être, sous les bras. Ou... Ils disent qu'il y a un truc dans la boîte, donc je sais pas comment... Ouais, peut-être qu'il y a un harnais, ou, tu sais, tu l'as... Je sais pas. Par la tête? Par le nez? Je sais pas. Par le cou? Ouais, par le cou, on l'a déjà fait, la blague. On va faire décoller la création d'entreprise. Moi, je suis convaincu qu'un petit blog peut marcher. Tu vends justement à l'armoire exprès pour la ranger. Ah ouais! Et oui, sur ta boutique, tu dis rangement, tu sais, placard secret. Tu sais, tu l'ouvres, et après, t'as la dolle qui sort. Tu sais, un truc un peu... c'est comme il y a certains placards où tu ouvres, et tu sais, et après, t'as le rail qui sort, et ben là, tu mets la dolle, c'est... Ah, y a moyen de flipper, hein, je te le dis. Au solaire, elle va jaunir. Bah écoute, ça permet de changer un peu de pays. Bon, c'est bien que ça sera coupé au montage. Oui, mais en douane, ils vont l'ouvrir le bordel. Ils vont déglinguer la marchandise. Après, elle est plus neuve. Hein. Il faut leur demander, tu sais, de mettre un autocollant garanti. C'est comme il y a sur les boîtes. Comme ça, si l'autocollant garanti il est déchiré, ça veut dire qu'ils l'ont utilisé. Vraiment qu'ils l'essayent pas. C'est sûr qu'ils ouvrent le mannequin pour voir s'il y a de la drogue dedans. Pas mal, pas mal. Ils peuvent le faire. C'est fragile et délicat. Et quand elle arrive à la douane, ils vont la tester pour voir si elle correspond au bon CE. Elle est pas mal. Une tête de rechange. Imagine la femme de ménage. C'est incroyable. C'est si elle arrive en retard, vous pouvez demander une deuxième tête. Mais je suis sûr que tu l'aurais écrit. Tu dis, vous pouvez m'envoyer une tête en plus, comme c'est marqué dans l'annonce. Trop bien. Ils te l'envoient et ils te la mettent dans la boîte. Quoi. T'arrives deux têtes. Eh, hey, t'as les petits délires de siamois, tu mets les deux têtes dessus, là, avec un... Tu sais, il y a les trucs pour les ampoules que tu visses avec deux... Et tu peux mettre deux ampoules, ben, voilà, bon. Faut made in France, hein, ça va être dur avec les frais. Faut lui faire une tournante. C'est pour être sûr. C'est la poupée Jean-Marc, tu feras du ventriloque. Ok, mort de rire, je suis plié, ok. Oh, punaise, voilà. Donc, qu'est-ce que... Alors attends, c'était... je vous trouve le nom du site déjà. Ça, je vous le copierai à la fin. S'il y en a qui l'ont pas déjà vu, parce qu'il était marqué en haut le site. Hein. Donc je mets ça en X. Voilà. Ah oui, contrôle X, bien évidemment. Je vous mets un peu de pub. Voilà, ça vous fera les pieds. Ah, ça va mieux. Je te dis, mais elle est où ma fenêtre de chat maintenant? Là. Voilà. Ici. Et ici. Alors, c'est la. Quand tu crées ton site dropshipping pour attirer les clients, tu rajoutes que les dolls sont fidèles sans emmerde. C'est ça. Si elle t'emmerde, tu la brûles. C'est un bon argument. Tu dis, si elle t'emmerde, un, tu peux la pendre. Et si elle t'emmerde trop, tu la brûles. Voilà. Sans emmerde, pas de procès. Voilà. Par contre, voilà. Attends, le corps brûlé et tout. J'ose pas voir après. Moi aussi, je suis en PLS. Mais écoutez, c'était le but. J'espère que vous êtes bien amusés quand même. En clair, c'est une bonne excuse. C'est quoi cette poupée? C'est rien, je suis ventriloque. Mais non, je suis auto-entrepreneur.
C'est quoi cette poupée? Je suis auto-entrepreneur. C'est un business et tout. Il a fallu que j'en commande une pour faire mes tutos. Je fais des articles et tout. Et grâce à ma. Et grâce, tu dis, en fait, tu dis, il y a plein de gens qui vendent des poupées comme ça, mais ils ne savent pas la matérielle, ils ne savent pas l'entretenir, ils ne savent pas la réparer. Il n'y a aucune plus-value. Aujourd'hui, moi, en tant que spécialiste jeune auto-entrepreneur, tu vois, eh ben. Tu dis, j'ai commandé une pour pouvoir faire des tutos, des photos. Je suis un article complet. Aujourd'hui, j'ai le blog numéro 1 sur les sex dolls et j'en vends des caisses. C'est le cas de le dire. T'as des fournisseurs antennes. Si je peux faire un marché, ben, je vais te mettre le lien juste après du site. Je mettrai le lien juste à la fin du live. Et puis, t'auras qu'à aller voir sur le site et éventuellement soit les contacter directement en leur demandant les tarifs revendeurs. Soit les contacter pour demander le tarif revendeur, parce que moi, ils me l'ont envoyé d'office. Alors, à la question, est-ce que je vais tester une dolls? Alors, le problème, c'est que tous les... En Thaïlande, les sex toys sont interdits. Voilà. Les sex toys, les sex dolls, les machins comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, attends, la Thaïlande, quand même. Non, parce qu'ici, pour 30 balles, t'as une vraie. Pendant une heure, donc ils vont pas te faire acheter un truc silicone, c'est dégueulasse. Voilà. Là, au moins, t'es une vraie. C'est aussi dégueulasse, la vraie, mais bon, voilà. Donc malheureusement, c'est interdit en Thaïlande, et quand je leur ai dit, bah écoutez, tu sais, je leur ai envoyé mon mail automatique en disant, bon, on peut faire une review, machin, je me voyais déjà en train de faire une connerie, là, avec une review, et puis j'ai envoyé les tarifs, et quand il y a marqué dans mes tarifs, il y a marqué que je livre en Thaïlande, elle me dit, mais malheureusement, je suis désolé, mais on peut pas livrer en Thaïlande, et tout, donc il n'y a pas de collaboration possible, mais si vous voulez en revendre, en drop and ship, nanana, je serais ravi de collaborer avec vous, patin, 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 voilà. Donc, je vous mettrai le nom du site, vous pouvez soit les contacter directement sur leur site, si ça vous intéresse, si vous voulez le nom de la meuf, mais je pense que sur le, si vous voulez vraiment le mail de la meuf, vous me faites un message privé, et là vous voulez, bien, ah, t'as pas le mail de, ça m'intéresse, je veux me lancer, effet shopping, ça marche plus. Planète Shopping, Planète Sex Doll est en préparation là depuis 8 minutes et que vous voulez son mail directement, je vous le donnerai aussi, il n'y a pas de souci, j'ai rien à cacher et j'ai rien à en tirer encore une fois. Sans mauvais jeu de mots. c'est où pour investir? J'ai vu la pub. Ah, bah bien Fred, t'as vu la pub. C'est vrai, non. Pas de pub, je les bloque. D'accord, ok. Complètement. Avec des petits jouets, des petits accessoires, des petites tenues et tout. Là. Hey, bah, ça doit pas être facile, hein, parce que quand tu connais pas quelle taille de bonnet elle fait, la taille de la jupe, quelle dimension et tout, tu vois. Elle est comment? Bah, t'imagines, tu vas dans le magasin, tu dis oui, bonjour, c'est pour vous, pour votre femme. Bah, tu dis, bah, c'est pour, une, pour ma, une, ma copine et tout. Elle fait quelle taille? Tu dis, bah, justement, elle est dans mon sac à dos, là. Tu la déplies, tu dis, allez, voilà, elle est comme ça. Voilà, elle peut les essayer en magasin. C'est un peu relou. Ah, je me dis aussi, attends, je me disais aussi, elle gueule quand j'en. elle doit avoir les oreilles qui. Oui, bah, après, vous vous arrangerez avec vos femmes. Voilà. Bon, ainsi se termine ce site. Je vous inviterai donc, si l'envie vous enchante, à aller voir le site du fabricant qui s'appelle Atoscope, atoscope.com. Je vous mets le lien ici, si vous voulez cliquer dessus pour aller voir le site, bien à vous. Vous voulez voir les photos que j'ai pas pu vous montrer, parce que voilà. Je suis content parce que Twitch n'a pas, il n'y a pas eu d'alerte, il n'y a rien qu'à clignoter, ça s'est bien passé. Donc c'est déjà ça. Et puis, puis voilà, après, Atoscope, comment elle s'appelle la Wanwan de Atoscope? Attends, où c'est que j'ai trouvé mes mails? Putain, j'ai un milliard d'onglets. Ici, alors attends. Atoscope.com, si je mets ça, est-ce qu'elle va me trouver dans les mails? Nyan. Ah ouais, mais c'est pas ça, ouais, parce que c'est pas... Il m'avait pas donné le site web, mais elle m'a donné qu'une... Alors, comment elle s'appelle Wanwan? Elle s'appelle Jim... Ah, c'est Jim Chier. Ah, ça se trouve, c'est un garçon. Non, Grace. Attends, mais sorry to inform, no talent. Our market is USA, Europe, Australie et Japon. Also, Kindly not shipping charge is very expensive for these products. To the peak volume. Currently, we ship them by vessel and stop in our warehouse. Donc, ils ont dans le stock. Once customer, quand les clients en veulent, ils les envoient directement depuis leur warehouse pour éviter en fait les frais. Et on livre entre 2 et 5 jours ouverts. Si vous avez des ventes en Nord-Amérique, Europe, Australie, let me know, elle s'appelle Grace, G-R-A-C-E, et le mail, oui, donc c'était Jim Chi à Toscope, voilà, bon après vous ferez votre vie, hein, le but c'est, voilà, moi je vous laisse ça là-dessus,
On a parlé, l'intérêt, c'est qu'on a passé un bon moment, on a bien rigolé. Certainement que ce replay devrait peut-être bien marcher aussi sur Twitch. Voilà, on a appris plein de choses, c'est quand même pas mal, sur toutes ces dolls, c'est quand même assez intéressant. Puis après, voilà, moi, je vous lance une idée de business comme ça, moi j'ai assez à faire, mais moi je suis convaincu... je vais étudier ça tranquillement. C'est pour la science. Oui, bah, surtout qu'il y a des photos que j'ai pas pu vous montrer. Il y en a vraiment où ils ont oublié de leur mettre les vêtements pour que vous puissiez voir la différence avec ou sans vêtements. J'ai cliqué, mais comme un con, je suis pas en navigation privée. Ma femme, moi. ouais, clic droit, ouvrir dans une fenêtre privée. Hein. Je vais étudier ça pour le travail. D'accord, ok, c'est ça. Purée, il y a vraiment tout, c'est dingue. D'accord, ok. Vite, l'historique. Vite. Ah ouais, vite, vite. Ouais, t'as tout merdé. Vite, l'historique. C'est synchro avec son compte. Non, arrête, là t'en fais trop. Non, mais tu dis c'est pour la science, c'est GLG. Tu dis, si on te demande, tu dis écoute, c'est GLG qui avait un placement de produit à faire et il nous a demandé pour soutenir la chaîne de cliquer dessus et on savait pas et on s'est tous fait niquer. C'est le cas de le dire. Voilà, ainsi. Tout est pour la science. Tout est... Mais en fait, au-delà de la blague de ça et tout, moi je trouve qu'on a appris plein de choses, notamment sur l'entretien, les modèles et tout. Mais moi, je ne vais pas dire que je suis subjugué, mais je suis quand même assez étonné de la qualité, de ce qu'on peut faire. Puis après, voilà, il y a l'entretien, machin. Comment, voilà, sans aucun rapport, la dernière fois, je suis tombé sur les bébés. Les bébés dolls, pareil comme ça. Toi, les baby dolls, c'est des petits bébés en silicone que pour les gens qui peuvent pas avoir d'enfants ou ceux qui ont un truc affectif à compenser et tout. Et ils en ont, et les trucs sont en silicone un peu dans la même, certainement la même qualité. Et ils les mettent dans le lit, ils leur mettent des vêtements, tu vois. Il y a un côté, ça j'avais vu aussi un reportage là-dessus, tu sais, pour les gens qui ont un problème affectif et tout là-dedans, et ça existe vraiment. Et pareil, tu mets bébé machin sur AliExpress, il y en a mais 10 000 avec des trucs, tu regardes, tu dis ça fait flipper parce que c'est très très ressemblant. Après, ça n'a pas du tout la même utilisation, mais je suis convaincu qu'il y a des, il y a des marchés pour tout, puis il y a des psychopathes pour plein de trucs, quoi. Là, je suis sûr que les dolls, je suis convaincu qu'il y a des gens qui achètent et que tu leur dis 1 000 $, voilà, s'ils peuvent avoir l'assurance, avoir un site fiable et des explications et des trucs en français et tout, que le mec il dit bah attends, 1 000, je préfère acheter un mec français là à 1 000 qu'un chinois à 500, on sait pas ce qu'ils vont nous envoyer. Bon, la même chose, mais là ils disent bah voilà, une fois que tu auras reçu la tienne, tu nous diras. Dis ça, ça va, tu cliqueras, sauf, j'ai pas compris, c'est la faute de Greg, il nous entraîne dans la débauche, c'est exactement ça. Une mine entière plutôt. Non, t'inquiète, quand je vais sur des sites hot, je gère, donc si je vois ça, franchement, je transpire pas. Ouais, bah là en plus c'est vraiment, il y a quelques photos où elles sont nues, mais ça reste des photos nues de poupées en plastique, quoi. Des poupées en TPU, quoi. Donc c'est pas très très grave, on est d'accord. Je suis en train de demander le tarif revendique par mail. Bah écoute, avec plaisir mon pote, ça leur fera plaisir, n'hésite pas à leur dire que ça vient de ma part, et je pense pas que tu gagnes quelque chose, mais bon, ils ont un PDF, je l'ai eu, donc tu l'auras aussi, avec les tarifs, les tailles, les prix en dollars, qui sont quasiment les prix du site, hein. En même temps, il y a pas, c'est vraiment le site de l'usine, le site revendeur et tout, donc eux c'est un fabricant, et puis voilà quoi. S'il y a moyen de vous élever, et si t'en alors si j'allais te dire de m'en envoyer une, ben non, c'est con parce que c'est même eux, ils peuvent pas m'en envoyer une, ils peuvent pas m'en envoyer une non plus, quoi. Tu l'envoies chez mes parents, puis quand j'irai en France, je la récupère. Ils seront contents. j'ai reçu un colis, tu le laisses dans le placard au frais, comme c'est dit là, et puis je récupérerai quand je vais en France. La mentalité est pas ouverte sur ce sujet, donc je pense pas en France. Ah, mais moi je suis convaincu au contraire que les mecs en loose day. Attends, combien de mecs? Tu sais, c'est un peu comme les camionnettes quand t'expliques un peu. Je sais que la fois que je parlais en Thaïlande, je crois que c'est une Thaïlandaise, je dis ouais, en France il y a les camionnettes et les mecs vont dans les camionnettes, tringler une mama qui a deux fois leur âge et qui est complètement dégueulasse. Les gens ils font ça, putain, mais c'est dégueulasse et tout. Donc. Tu vois, il y a quand même des trucs qui sont faits en Europe qu'on ferait peut-être pas dans d'autres pays. Donc les mecs, tu leur dis achetez ça, vous en avez une à la maison.
Les mecs diront rien. Hein. Mettez que c'est une enceinte JBL sur la boîte et ça ressent très bien. Pour la douane. C'est bon. Par contre, beaucoup sont sold out. Bah, il faut les comptes. Je pense que c'est les warehouses. Je pense qu'ils n'ont pas trop de stock comme ça dans les warehouses. Il faut les commander directement depuis la Chine. Ou alors, en fait, c'est un revendeur et eux, c'est une usine. Il y a bien marqué hein, dans le Q&A qu'on vient de lire que quand tu fais la commande, soit ils les ont dans les warehouses, soit ils les mettent en production. Hein. Je pense qu'ils doivent être un peu en flux tendu. C'est le mot est bien. Le mot est encore très très bien choisi. Mais je pense qu'il doit être beaucoup en flux tendu maintenant. Puis à une semaine du jour de l'an chinois, à mon avis, il ne doit pas se passer grand chose. Hein. On est trop en avance. Ça doit marcher de ouf. Carrément. Dans 50 ans, Jojo fait un BEP Technodol. Je veux faire mécanicien. Jojo. Ah, je crois que c'était Jojo. Aucune note poil. Ah bah c'est en option, hein. Il faut les mettre toi-même. au moins t'es sûr de la propreté de la dalle, c'est ça. Bon, ainsi se termine ce GLG Parents Live du mercredi. J'espère que vous aurez aimé ce sujet, un sujet qui était intéressant, déroutant, étonnant, gonflant, je ne sais pas, poupant, dolzant, voilà. On aura fait un sujet. C'était un sujet qui était très intéressant. Je pense qu'on marchera bien avec le replay. Et puis, voilà, sur au moins sur Twitch, peut-être ça pourra en motiver. Alors, concernant les cadeaux, pour la dimanche, là, c'est fait. Alors, normalement, le prochain live, c'est mercredi, c'est dimanche prochain. On a dit tous les 15 jours. Le problème, c'est que le dimanche prochain, je suis en vacances. Je pars samedi et je reviens samedi. Et je pars en moto et je me vois mal à l'hôtel le dimanche essayer de vous faire un live avec le laptop et tout, connexion 5G ou 4G quand ça passe, enfin 4G ou 5G quand ça passe. Donc je pense qu'il n'y aura pas de live dimanche prochain si on fait les 300 followers sur Twitch avant dimanche. Merci beaucoup. Merci à Krimou de me follower. Merci mon pote. Si on fait les 300 followers avant ce dimanche, je vous fais un giveaway dimanche. Si on le fait pas, ben malheureusement, ben il n'y aura pas ce dimanche-là, on est d'accord. Et il n'y aura pas le dimanche prochain parce que je serai en vacances. Mais par contre, on se retrouvera au mois de février. C'est noté, pour moi, les vacances, c'est du 29 au 6. Je vous l'ai mis sur jtgeek.com. Hein, si vous allez sur jtgeek.com, ce sera du samedi au samedi. Donc samedi, je pars le 29 et je reviens le 5. Voilà. Je pars du 29 au 5. Je pars en moto, j'aurai mon laptop et tout. On fera peut-être un petit live le mercredi en mode Q&A depuis l'hôtel en 3G, 4G, ça devrait fonctionner. J'ai vu qu'il y avait l'application dessus. Mais voilà, on sera en minimum syndical. C'est le cas de le dire, le temps que je reçoive ma dolce. Pas du tout. Voilà, donc comme ça, voilà. Si on fait les 300 d'ici dimanche, et on fait encore un giveaway dimanche, et sinon, bah, ça reportera dans 15 jours. C'est pas très très grave, on a fait gagner plein de trucs, c'était trop bien. On veut la review, je voulais aussi, mais malheureusement, je peux pas me faire livrer en Thaïlande, c'est interdit d'importer les sextoys et tout ça, voilà. Il y en a, hein, on en trouve et tout, mais c'est interdit, en théorie, la loi est comme ça. Clipper les gars, bah oui, si vous pouvez clipper, partager, follower, partager cette vidéo et encourager. Il en manque pas beaucoup. On était à 260. Attends, ça c'est mes dolls, faut que je les enlève. On est à 272. Oh, il en manque pas beaucoup. On a fait beaucoup aujourd'hui là. Ah oui, on a pris plein de followers là depuis ce soir. je me demande pourquoi. Je me demande pas. Donc il en manque 28. Il manque 28 followers et je vous fais un giveaway dimanche. Voilà. Donc ça me paraît pas énorme encore une fois. S'il y en a qui passent par là, qui passent par ici et qui sont repassés par là. Voilà. Il y a un replay sur YouTube. Non, j'ai pas fait d'enregistrement. Je ferai pas. Je vais pas le mettre sur GLG vidéo. Non. Non, mais non, je vais arrêter maintenant. J'arrête de faire les enregistrements. Sauf mardi et vendredi, mais tous les enregistrements maintenant, ça sera Twitch. Voilà. Soit les gens y vont, soit ils vont pas. Parce qu'après, le problème, c'est que bah, les gens, ils disent ah mais ça va être sur YouTube. On se retrouve dans le même problème. C'est-à-dire, ah ouais, mais de toute façon, s'il les met sur YouTube, je vais attendre que ça mette sur YouTube. Comme ça, les gens se prennent même pas la peine d'aller le regarder sur Twitch. Donc là, maintenant, à partir de, bah, de aujourd'hui, il n'y a plus d'enregistrement, sauf le mardi et vendredi pour le JT du Geek, on est d'accord. Mais le live du mercredi, le live du samedi et le live du dimanche, un dimanche sur deux, ça sera uniquement sur Twitch. Relayé sur JT Geek, relayé sur Facebook, mais uniquement sur Twitch et en replay pendant 6 jours. Par exemple, je te vois bien sur YouTube regarder en replay pour savoir, pour avoir l'information. Dame, je suis fait. Coucou ma chérie, non, je regarde une conversation, convention sur la technologie, sur les nouvelles technologies, sur les Android.
Tu te rappelles, Elon Musk, il a présenté un nouvel Android et tout. Eh ben, c'est pareil. en femme et avec des grenichons. À la Brondo, la techno, ouais, c'est ça, ouais. J'ai raté quelque chose. Ah bah écoute, Nico, t'as raté un live incroyable. Tu vas pouvoir le voir en replay. Une fois que j'arrête l'émission, tu vas pouvoir le regarder en replay. Ça va être très intéressant. T'as raté comment monter une belle entreprise. C'est pas faux. T'as monté comment un bon projet de ton entrepreneuriat. une bonne tranche de rigolade et une bonne tranche de vie et une bonne tranche de silicone, bien évidemment. Masse X vitesse, puissance, c'est ça. Voilà, j'ai coupé le son. Voilà, bon, bah écoutez, vous êtes bon pour vous taper le replay pour la plupart. Je vous remercie de passer vous voir, ça m'a fait plaisir. Je pense qu'on a passé un très très bon moment dans ce live, dans un sujet très intéressant. Ça va être alors dit mercredi prochain, je serai. Ah non, mercredi prochain, il y aura un live. C'est le mercredi d'après où je serai en live Q&A pendant mes vacances. Et puis voilà, normalement, on va chercher Lolo là-bas, chercher Ducon. Lolo Ducon, comme il s'appelle et tout. Donc, ça sera un moment pour ça. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a plaisir. N'oubliez pas. Alors, vous pouvez pas mettre de. Ah oui, vous pouvez rien faire. Vous pouvez pas mettre de like, pas de machin comme ça. Essayez de partager cette vidéo. Si vous pouvez faire un seul truc, si vous avez un Facebook, un machin, vous pouvez copier. Vous pouvez. Une fois que l'émission est finie, vous pouvez partager le lien. Il y a un lien à copier. Mettez-la sur votre Facebook. Mettez-la. Partagez-la à vos amis et tout comme ça. On dit, ah, il y a une émission sur les sex dolls en Chine et tout. Ou comment monter sa jeune entreprise. Avec en misant sur le futur, vous pouvez la partager là où vous voulez, essayer de racoler 28 personnes. Et c'est vrai que si on arrive à prendre 28 followers d'ici dimanche, je vous fais un giveaway, comme ça on reprendra tous les 15 jours. Voilà, j'ai mis un lien sur la pub YouTube. Merci beaucoup. J'y crois pas, mais tu peux faire comme tu veux. Voilà. Allez, je vous remercie de passer me voir. Pour moi, il est 23h15. On va arrêter là. On va prendre une petite douche, hein, en pensant à ma Dolce, à Jeanne. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de journée pour vous. Merci de passer me voir. Ça fait plaisir. Prochain enregistrement vendredi matin pour le JT du Geek. Et sinon, sur Twitch, le prochain live Twitch pour de vrai, ça sera samedi à 10h du matin. On parlera des produits que j'ai reçus. À savoir que pour l'instant, je n'ai rien reçu, mais que j'ai 3 tracking FedEx. Donc, en théorie, il devrait arriver, j'espère, avant la fin de la semaine. Donc, je vous parlerai de ça fin de semaine, puisque pour l'instant, on a tout fait. Et le robot aspirateur Midea, qui était pour le 21 janvier, en fait, elle s'est trompée, c'était le 21 février. Donc, c'est reporté, ça sera les montres. J'ai mis les photos sur Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Et puis, on parlera de tout ça vendredi matin. Et puis, sinon, on se retrouve samedi. Allez, merci à tous d'être passés. Forcément, je vous kiffe. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral. À vendredi. Bye bye. Alors, je voulais trouver le truc, ça n'a pas marché. Voilà, bravo. Bravo. C'est pas ça. Il est où, nouvelle intro. Je voulais faire un truc trop bien, là. Putain, c'est nul. Attends, ici. Oh, c'est bon, ici. Celui-là. Non. Celui-là. Il est bien.